Hello tout le monde, donc je vous retrouve pour une petite vidéo courte pour vous faire la démo de ma machine à stickers que j'ai eue pour la fête des mères. Donc mon mari m'a acheté la machine, avec mes filles bien sûr, de chez Xyron. Donc vous l'avez en toute petite qui est violette, qui ressemble à un X comme la marque. Et moi j'avais plutôt envie de m'amuser à faire des choses un peu plus larges, un peu plus grandes, et surtout pour faire mon planeur que je prévois de mettre en place cet été pour la rentrée, et la recharge. Donc on m'a déjà posé la question à savoir combien coûtait la machine. Je sais que mon mari l'a eu sur Amazon, que la machine plus la recharge, il en a eu pour moins de 60 euros, 57 euros, allez, on va dire 58 hein, pour avoir un chiffre rond. Voilà, après, à voir si elle est pas moins chère chez la Formule Créative ou sur d'autres sites, je ne sais pas. Mon mari était au plus simple, donc elle vient de chez Amazon, pardon, direction. Voilà, donc la machine plus la recharge, il en a eu pour moins de 60 euros. Donc la machine, elle se présente comme ça, elle est toute simple, donc déjà vous n'avez rien à faire, elle est emballée, il n'y a rien à monter. La recharge est déjà installée à l'intérieur, donc voilà, et c'est tout simple. Donc là, moi, je vais vous faire ça avec des cartes. J'ai pris les cartes, vous savez, qu'on trouve chez Action, là, les pochettes. Sauf que celle-là, elle fait 13 cm de large. Ah oui, à savoir, pour la machine, vous pouvez aller jusqu'à... Bon, ça fait 13, mais ça sert un peu. Donc voilà, moi, je vous conseille de mettre des cartes ou des planches qui font 12 cm et demi de large. Donc celle-là, je l'ai un peu coupée de chaque côté pour avoir une carte de 12. Alors, vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Hop. Vous l'insérez dans la machine. Ok. Moi, je lui donne un petit coup de main à partir de la main. Ensuite, je tourne. Puis je le finis à la main. Je tourne même pas la manivelle parce que je ne trouve pas vraiment utilité. Moi, la manivelle, j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide par moment. Et donc, on y va. Ouais, elle tourne dans le vide d'ailleurs. On y va. On tire. Et je vais essayer de m'arrêter à temps pour pas gâcher trop de papier. Donc là, vous avez des petites... comme des petits pics. Et... qui vous permettent de déchirer le plastique. Ensuite, vous enlevez la protection. Et vous avez votre autocollant. Donc moi, j'ai pas pris du papier... du papier repositionnable. J'ai fait deux tests avec cette carte-là aussi. Bon, là, j'ai fait que des cartes. Celle-là parce que je l'adore et je voulais la mettre dans mon planeur. Et j'ai aussi fait des tests avec des tampons. Donc avec ce tampon en bois que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'aime un peu beaucoup, passionnément, à la folie, pour la vie. Et voilà, ce qui fait qu'après j'aurai plus qu'à recouper autour. Et j'aurai plus qu'à enlever l'opercule. Et puis voilà, ça me fait un autocollant. Donc j'ai déjà fait les essais, mais là je ne peux pas vous montrer parce que c'est déjà parti dans mes envois. Mais je trouve que c'est une machine intéressante. Bon, vous allez me dire c'est un gadget hein, parce que ça vous mettez un bout de double face derrière et puis voilà, le tour est joué. Mais je sais pas, j'avais envie d'un petit gadget sympa pour faire mes stickers et donc j'en suis très contente. Je trouve qu'elle est facile d'utilisation. Vous l'ouvrez, vous changez la recharge qui est là et basta, vous refermez, c'est tout. C'est vraiment c'est très simple. J'ai aussi pris pour que les filles puissent l'utiliser. Moi j'ai juste un petit souci avec la mamivelle, je sais pas, j'ai pas dû bien m'en servir dès le départ, enfin, elle tourne quand même, mais bon, je préfère moi aider le papier. Ce que j'ai essayé avec du papier vélum, attendez, je remets, le papier vélum est tellement fin que bah, ça passe pas et du coup ça s'entortille, enfin, faut que je vois comment utiliser cette machine avec le papier vélum, parce que je sais qu'il faut une colle spécifique. Mais après j'ai pas encore cherché laquelle, faudrait que je regarde. Donc si jamais vous savez quelle colle il faut utiliser pour coller le papier vélum, n'hésitez pas. Donc voilà, donc c'était une petite démo. Je pourrais vous en faire une autre, mais je vais vous en faire une autre démonstration avec une petite découpe que j'ai déjà. Par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, un cœur. Allez, on va prendre un argenté. Mon mari qui est en tout le bazin. Enfin, ouais. Donc je positionne le cœur à l'intérieur. Voilà, j'essaie de le caler un petit peu. Et je tourne. Alors vous voyez, j'ai laissé un petit peu trop de gâchis, mais c'est pas très grave. C'est pour ça que j'aime bien. J'ai toujours peur de casser quelque chose, comme je suis un peu brutus. Et voilà, et donc je vais avoir un cœur.
et je vais pouvoir après l'enlever et le coller où je voyais il y a la colle. Donc voilà, c'est pratique, ça en colle vraiment que la partie que vous voulez en coller, hein, il n'y a pas de la colle tout autour. Voilà, c'est un petit gadget sympathique, pas forcément indispensable pour les scrapeuses, mais moi j'aime bien m'équiper de toutes les petits gadgets qu'il y a, et donc celui-là, ça avait un petit bouton que je voulais, donc maintenant je suis contente. Donc voilà, j'espère que cette petite démo vous aura aidé à voir l'utilité pour vous, pas de cette machine, et puis que la vidéo vous aura plu aussi. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous fais des bisous, et puis surtout, scrapez bien !